peux y aller, Yuna. On s'est dit, quand on sera vieux, on ne sait pas ce qu'on veut. On va tondre faire une petite démonstration de tonte de moutons selon une méthode qui a fait ses preuves depuis 50 ou 60 ans maintenant. Ça s'appelle la méthode Bowen, qui est une synthèse en fait de toutes les techniques colportées dans le monde entier de tonte de moutons, qui a donné monsieur Bowen en a fait une espèce de technique bien aboutie qui permet de sortir une toison d'un seul tenant qui est ensuite triée par des personnes. Voilà, ça permet de faciliter le tri et puis c'est une méthode qui est assez confort pour les brebis malgré le fait que vous allez voir elle tourne un peu dans tous les sens mais toujours dans des positions en fait qui pour elles sont relativement confortables ou en tout cas si elles ne le sont pas elles sont en mouvement donc on les manipule avec douceur grâce à cette méthode. Voilà. Et après on les met dans des positions où en fait c'est pas en fait tout va bien quoi. Pas de problème. Je la tiens pas. Hein. Et tout le long de la tonte, vous allez voir, je manipule la bête avec les jambes. Je la tiens aussi avec les pieds, ce qui explique les chaussons en cuir, pour pas la blesser, pour la sentir aussi bien correctement. Et pour aussi ne pas déraper sur le plancher, c'est absorbant. Donc en fait, les brebis, elles sont, si elles transpirent, elles pissent sur le plancher avec des semelles en caoutchouc. Oh, c'est une vraie patinoire. Enfin, on finit par terre à tous les coups. Enfin, bon, je dis ça des fois en ton sur des planchers complètement trempés. Et on se débrouille bien, on y arrive. Voilà. Donc c'est la méthode Bowen. C'est une méthode qui aussi permet de trier la laine sur le plancher, sur la brebis. Et donc la toison qui arrive sur la table, elle est déjà préparée en fait. La personne qui trie ensuite n'a plus qu'à capter, enfin à enlever ce qu'il y a, la peinture, les bouts trop courts, la merde, etc. Voilà. Vous allez voir, on enlève le ventre, après on enlève les rabattages là sur les pattes, et ensuite on fait un côté, on ouvre la toison d'un côté, et ensuite on ouvre le deuxième, et à la fin on a une grande toison d'un seul tonneau. Dans les années 80 et 85, il est venu en France pour justement vous dire que la méthode, pour lui, c'était comme ça de tondre la brebis. Alors il faut savoir qu'en Australie, ils travaillent la laine depuis plusieurs années. Et en fait, ils ont des brebis pour la laine en Australie. Et les agneaux, en fait, c'est le sous-produit. Eux, ils travaillent la laine. Et alors que nous, en France, on a des brebis pour faire la viande, mais pas pour la laine, parce que on a cherché à avoir des grosses brebis. Si la brebis se met en laine, elle fait moins de viande, donc on évite la production de laine sur le dos de la brebis. Donc ici, Sébastien, il va vous faire donc la démonstration de tonte. Donc cette méthode Bowen, qui est venue en France dans les années 80 pour les premiers tondeurs.
Et maintenant, tous les tondeurs quasi utilisent cette méthode-là. Il en reste encore deux en France, la momorillonnaise et la chemelle, mais il y a très peu de tondeurs qui utilisent cette méthode. On est tous plus ou moins dans la méthode Bowen. Donc la méthode Bowen, en fait, c'est confort pour la brebis, confort pour le tondeur et rapidité au niveau de la tonte. Go, Sébastien! Ah oui, il faut savoir qu'elle a été étudiée donc pour ces mérinos donc qu'on a en Australie, donc des mérinos qui sont quand même plus couvertes, puisque généralement la laine elle descend jusqu'au bout des onglons. On peut avoir de la laine jusqu'au bout du nez et une belle casquette et une brebis qui est un peu gênée par ce confort. Je vois pas, je suis un peu. Mais. De ce fait-là, il a inventé cette méthode-là et, soi-disant, en 45 coups de tondeuse, on tond une brebis. Donc 45 coups de tondeuse, ici, on ne les aura pas sur la tête, on ne les aura pas sur la tête, elle est nettoyée. Il n'a rien à nettoyer, donc on aura déjà oublié 5 passes au niveau de la tête. Jusque-là, il n'y a plus trop de laine, mais on va la compter comme une passe, une deuxième ou... Mais on va mettre tout ça en application, on va vous faire voir comment on démarre. Donc le tondeur généralement démarre avec la brebis assise sur le gigot gauche. Et comme vous voyez, la brebis, une fois assise sur ses pieds, n'a plus moyen de s'échapper puisque les quatre pieds sont en l'air. Le jour où elle va retrouver position sur le plancher, c'est là où ça va faire dégâts. Mais Sébastien a une très bonne tenue, la brebis assise sur le gigot gauche, il va pouvoir attaquer sa brebis. Pour attaquer la brebis, il va commencer par faire l'ouverture du ventre. À toi, Sébastien. Donc, pour l'ouverture du ventre, première passe sur le bréchet. Une et demie, voilà. Une qui va tourner, qui va dégager la laine ici. Et après, sur une deuxième passe, il va descendre au niveau des mamelles. Et normalement, en 5 coups de tondeuse, il va ouvrir le ventre de la brebis. Alors voilà, là, après c'est pas évident pour le tondeur, parce que les brebis, la laine, entre un effet de chaleur, un effet d'humidité, la laine va être plus ou moins feutrée, plus ou moins collante. Et un pas brusqué au niveau du bulbe de la fibre de la laine. Une fois que le tondeur aura fini sa passe, il renvoie sa machine. Et le fait de juste, hop, relâcher un peu la machine repart dans le bon sens. Et on va servir de ça, c'est un peu un pendule en fait. Alors il faut savoir qu'aussi un bon tondeur, c'est pas la rapidité du mouvement qu'il fait, c'est l'efficacité du mouvement. C'est pas parce qu'on est rapide dans le mouvement que la brebis sera plus vite tondue. Il faut savoir bien utiliser la largeur du peigne. Donc le peigne, en fait, c'est ce qui est monté sur la poignée du tondeur. On a la question était, donc combien de fois par an, monsieur, c'est... En fait, c'est une fois par an. Là, les tontos forts, voilà. Et puis après, il faut quand même savoir que dans le monde, il y a plein d'endroits... C'est trop belle tête, je trouve. En fait, tontos forts, c'est peloton va plus vite que moi. Sans la blesser, ouais. Elle dit rien. Mais elle peut tenir longtemps avec ça. Oui, mais c'est pareil. Oui. Elle n'a pas ses appuis, donc elle pense qu'elle est prisonnière. Je ne sais pas ce qu'elle pense, mais... En tout cas, elle est complètement relâchée, ouais, et elle est très calme. Hein. Thank you.
aussi, ta bébé il part seul, toi d'ailleurs. Il y en a pas Non,